Je dois mettre la main sur ce télescope. Je ne peux rien faire avec les pyjamasques, tout le temps sur mon dos. Oh, c'est pas passé loin. Oh non, je glisse! Eh, vous avez entendu? Entends-tu quoi? C'est sans doute juste Pigeon Robot. Tu sais qu'il aime s'entraîner à danser lorsqu'on ne le voit pas. Sans doute, mais il vaut mieux aller vérifier au cas où. Oh non, les pyjamasques débarquent. Il est temps de mettre mes talents de ninja à l'épreuve. Boule de poils, je suis coincée. Dans le mille, un moins, plus que deux. Qu'est-ce qu'a fait Yo-Yo pour être en retard? Il monte peut-être quelques-uns de ses pas de danse à Pigeon Robot. Yo-Yo ne sait pas danser. Ah! Je ne peux plus bouger! Ha ha! Voilà ce qui s'appelle avoir la poisse! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas embêter quelqu'un d'autre? Bien sûr! Mais personne d'autre n'a un aussi beau télescope à voler! Va à sa poursuite, Guglu! Nous ne pouvons pas le laisser mettre ses doigts collants sur notre télescope! Ne t'inquiète pas, Bibou, je vais l'arrêter! Si j'étais Ninjaka, où est-ce que je me cacherais? Hé, par ici! Allô? Qui est là? Par mes écailles! Oh non! Je suis pris au piège! Wouah! Tu es tombée dans mon piège de ninja! Il n'y a maintenant plus rien pour m'empêcher de mettre la main sur votre précieux télescope. Du moins, jusqu'à ce que je trouve... Bip bip bop! Bip bip bop! Bip bip bop! Hé, Pigeon Robot! Un coup de main? Bip bip bop! Bip bip bop! Bip bip bop! Sors-moi de là, Pigeon Robot! Ninjaka essaye de voler notre télescope! Bien joué, Pigeon Robot! Allons vite libérer les autres! Pose ça, Ninjaka! Les pyjamasques! Oh! Comment avez-vous fait pour échapper à mes pièges gluants? Vite, ils s'échappent! Ne t'inquiète pas, je vais l'arrêter! Laissez-moi sortir, pyjamasque! Oui, mais d'abord, Pigeon Robot aimerait te montrer quelques pas de danse. Oh non, tout mais pas ça! Bip bip bop, bip bip bop. Pyjamasque, on crie hurra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Enlever toute cette poussière de lune est difficile. Ces pyjaminus pensent qu'ils sont si intelligents. On va voir s'ils sont au niveau. Je pense qu'il est temps d'ajouter un autre sbire à mon armée de robots. Enfin, je ne pensais pas qu'on viendrait à bout de ce nettoyage. Oh non, encore plus de poussière de lune. Hé, des traces de pas. Quelqu'un rôde autour de notre QG. Suivons-les et voyons où ces empreintes nous mèneront. C'est étrange. Les traces de pas s'arrêtent ici. Qui que ce soit, il a dû voler ou quelque chose comme ça. Les amis, Pigeon Robot a disparu. Je ne le trouve nulle part. Oh non, il a dû être kidnappé. Et je parie que le coupable a un lien avec les traces de pas. Je ne vois qu'un seul endroit où on peut avoir de la poudre de lune sous ses chaussures. La lune! Nous devons y aller et le sauver! Au QG! Comment allons-nous faire pour trouver Pigeon Robot? Ouais, il pourrait être n'importe où! Ne vous inquiétez pas, avec mes super oreilles de chat, je vais le retrouver en un rien de temps! Allons-y! Il est par là! Mon si joli robot! Qu'est-ce que ces pyjamas qu'on fait de toi? Ne t'en fais pas! Quelques mises au point, et ton esprit de robot sera de nouveau à moi! Roméo! Nous aurions dû deviner que c'était toi! Eh bien, les pyjamasques! Quelle malheureuse surprise!
fou, Pigeon Robot. Il ne veut pas faire partie de ton armée. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais vous le rendre. Dès que j'aurai fini de le reprogrammer pour qu'il obéisse complètement à mes ordres. Suivons-le! Nous ne pouvons pas le laisser retourner Pigeon Robot contre nous. Plus vite, les amis, il s'échappe. Attrapez-moi, si vous le pouvez, Pyjaminus. Mon radar me dit que c'est une impasse. Nous devons trouver un moyen de le piéger. Bonne idée, Bibou. Vous deux, essayez de le distraire. Et je vais voir si je peux lui sauter dessus. Qu'est-ce que vous pensez faire avec ces petites choses? Ah! Oh non! Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Alors, Roméo, quoi de neuf? Bien joué, Yo-Yo! Tout va bien, Pigeon Robot? Bip bip bop. Cette nuit, nous avons sauvé Pigeon Robot! Il se passe quelque chose d'étrange sur la Lune. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est, par contre. Allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il se passe. C'est l'heure d'être un vrai héros! Bibou, Hibou Vision! Waouh! C'est une rivière de boules scintillunes! Des boules scintillunes! Sorceline doit préparer une nouvelle attaque aux boules scintillunes. Elle doit en fabriquer depuis des mois! Et il y en a des centaines! Nous devons aller là-haut et les détruire avant qu'elle ne les relâche partout sur la Terre. Et que les gens deviennent des zombies adorateurs de la Lune! Ce lac de scintillunes s'étend à l'infini. Regardez! C'est tout autour de la forteresse de Sorceline. Comment allons-nous faire pour tout détruire? Allons là-bas et organisons un plan. Lune! 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 Ils ont déjà été scintillunés. Regardez comment ils marchent. Suivons-les! Ils vont droit vers la forteresse. Mais c'est vous! Nous ne devons pas être vus! Vers ce tunnel secret souterrain. Sorceline doit se cacher ici. Et voilà, ça fait 1 million de boules. Si vite, Sorceline! Nous sommes ici pour sauver la ville! Vous arrivez trop tard! Les boules sont chargées et prêtes à partir à minuit! Il est minuit moins 10! Allons-y! Nous n'avons pas un moment à perdre! D'accord, les amis! Il est l'heure de ramasser quelques boules scintillunes! Ce sont les dernières. Bien joué, les amis! Maintenant, un peu d'exercice. Waouh! Regardez ces boules scintillunes voler! Oups! Désolée, Sorceline! Lune! Lune! Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Hé, hey, c'est moi ou il fait plus sombre ici? La Lune, elle rétrécit! Elle rétrécit ou elle s'éloigne? Non, elle rétrécit, c'est sûr! Regarde encore! À ce rythme, elle aura la taille d'une balle de tennis. Non, d'une petite plume! C'est Roméo! Il utilise un rayon rétrécissant pour rétrécir la Lune. Nous devons l'arrêter! Allons-y! Mon plan se déroule comme prévu. Une fois la Lune disparue, toute la ville sera dans le noir. Et les pyjamasques ne pourront pas me trouver. Roméo, arrête ça! Roméo, arrête ça! Trop tard, les pyjamasques! Jusqu'où vais-je la faire rétrécir?
Yo-yo, rapido! Glu-glu, main collante! Hé, hey, rends-moi ça! C'est à moi! Roméo, redonne à la lune sa taille normale! Impossible! Ce rayon peut seulement faire rétrécir les choses! La lune va rester comme ça! Vous n'avez plus qu'à vous y habituer! Nous ne pouvons pas laisser la lune dans cet état! Elle est minuscule! Je pense qu'on aura besoin d'aide pour cette fois. Sœur Soline sait tout sur la lune. Elle peut sans doute aider. Demandez de l'aide à Sœur Soline. Parfois, nous devons coopérer, Gluglu. Sœur Soline, nous avons besoin de ton aide. Ma lune! Comment aussi la rétrécir? Allons voir en haut si on peut la remettre à sa taille. Hé, hey, les amis, vous êtes en mission? Est-ce que je peux venir aussi? Bien sûr, Tatour Otom. Nous aurons besoin de toi. Décollage! Le seul moyen de renverser le rayon rétrécissant de Roméo est d'utiliser le pouvoir spécial de la lune. D'accord, Sœur Soline. Quel est le plan? Nous allons avoir besoin de beaucoup de cristaux lunaires. Si nous pouvons placer quelques cristaux au centre de la lune, je devrais pouvoir les contrôler et ramener la lune à sa taille normale. D'accord, pars à la recherche des cristaux lunaires. Ah, voilà un travail pour moi. D'accord, mais nous devons nous dépêcher, le temps presse. D'accord, rien ne va plus. Je pense que ça marche! Youpi! Ma lune est de retour! Plus grande et plus belle que jamais! Pyjamas! Qu'on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé!